parce que bah, t'es devenu un véritable sex symbole français. Et tu as suscité bien des fantasmes et fait rêver bien des hommes avec des, bah, en apparaissant court vêtu dans les magazines. Bon, et dans les films, chaque fois que t'es nu, dans les clips, ouais. Est-ce que j'ai jamais eu de problème avec. Oui, totalement. J'ai jamais eu de problème avec la nudité. Je crois que mon premier maillot, je l'ai porté. J'avais 11 ans. Ouais. Ou 12 ans. Je me souviens d'une photo avec Françoise d'Orléac à l'île de Ré. Et ma mère me faisait des maillots dans les rideaux. Mmh. J'ai toujours été. J'ai pas de problème avec la nudité. Ouais, et puis tu as raison. T'es bien avec ton corps. T'es libre avec ton corps. Et. Alors, du coup, il y a comme une autorité qui arrive soudaine. Ouais. Est-ce que comment on gère ça? Comment on vit ça au quotidien? Moi, je l'ai vécu extrêmement bien. C'est-à-dire à chaque fois, j'ai des choses qui arrivent pour 2020 et 2021, incroyable. Je vais retourner au cinéma en 2021. Je prends ça comme une bénédiction des dieux. Je me dis bon bah. Tu suis le flow. Oui. Thank you.